Quelle incroyable route tracée par la Goldwing en 43 ans d'existence. La Gold et son moteur à plat passé de 4 à 6 cylindres en 1988 ont non seulement traversé les continents, mais aussi les âges. La nouvelle génération de Goldwing, qui a pris la route en 2018, s'inscrit parfaitement dans la lignée de haute technologie qui a garanti la réputation de la Gold dans la durée. Alors cette Goldwing, c'est la reine de l'autoroute des grands axes. Elle est aussi très utilisée en ville parce qu'elle est très agile. Mais c'est encore ici, sur les monts du Lyonnais, qu'on s'est le plus régalé à son guidon. Très tôt, Honda a doté sa grande routière des attributs indispensables au voyage. Elle a évidemment conservé le cruise control, le système de communication pilote-passager, les suspensions assistées, les instruments de navigation et évidemment la musique. La Goldwing a accompagné l'évolution des différents systèmes audio, des premiers lecteurs à cassette à l'Apple CarPlay d'aujourd'hui, sur l'écran TFT couleur de 7 pouces doté de commandes vocales en plus du Bluetooth. La télécommande Smart Key reste évidemment dans la poche pour un démarrage simple et sécurisé, avec des modes favoris pour le réglage de la bulle, une mémorisation jusqu'ici réservée aux suspensions. Le confort procuré par l'amortissement a d'ailleurs fait un bond en avant, notamment grâce à un étonnant système de double triangulation appliqué à la fourche, dont on peut observer le fonctionnement réellement captivant tout en roulant. Le tout est combiné, comme le système de freinage véritablement bluffant, à un ressort arrière offrant plusieurs possibilités de réglage électronique en fonction de la présence d'un passager ou de bagages pour un confort à bord digne d'un tapis volant. La Goldwing, c'est les grands espaces, qu'il s'agisse des grandes lignes droites américaines ou des petites routes viroleuses françaises. Cette mythique moto, sortie par Honda il y a plus de 40 ans, a fait peau neuve en 2018. Avec un moteur 6 cylindres qui fait vibrer les passionnés, c'est l'essai qu'on vous propose dans Motor One Ride. Sensation wattée, exacerbée par le 6 cylindres de 1833 cm3, dont la souplesse légendaire augmente avec le couple supérieur délivré par un accélérateur à commande électronique. Car le nouveau monde qu'explore la Goldwing est tout électronique, afin de procurer aux grands voyageurs sur deux roues un environnement à la fois confortable et sécurisé, en phase avec l'univers ultra connecté dans lequel le monde évolue aujourd'hui. En 2018, Honda propose trois Goldwing de série. Une version de base qu'on pourrait appeler Bagger, une Touring avec valise top-case à l'arrière et la même, avec l'airbag et la boîte DCT en plus. C'est celle-ci que nous avons choisie, car le fameux double embrayage signé Honda a énormément évolué ces dernières années. Et surtout, la nouvelle boîte à 7 vitesses nous faisait très envie. Évidemment, l'anti-patinage et l'ABS sont au rendez-vous, de même que plusieurs modes de conduite. La protection, en revanche, n'est plus aussi enveloppante que par le passé, malgré un pare-brise électrique bienvenu. Comment fait-on pour se passer de poignées d'embrayage et de sélecteur de vitesse? C'est simple. Si le poids toujours conséquent du vaisseau peut effrayer, au moment de la garer ou de démarrer en côte, on peut toujours recourir au frein à main ou à la fonction démarrage en côte. Autre retour en arrière, la contenance des valises, puisque si on peut toujours ranger deux casques intégraux dans le coffre arrière, ce n'est plus possible dans les valises latérales. Avec ses 383 kg tout plein fait dans cette version Touring ABS DCT, elle reste délicate à manier à basse vitesse. Mais dès qu'on est lancé, c'est un véritable bonheur. On hésitera cependant à flirter avec les hautes vitesses, même si le freinage couplé a encore progressé et s'affiche aujourd'hui comme l'un des meilleurs du monde de la moto, et même si la tenue de route est aujourd'hui irréprochable grâce à un train avant très rigoureux. Symbole de l'agrément de conduite sur deux roues, mille fois copiée et jamais égalée, la reine des voyages au long cours est parvenue, avec cette sixième génération de Goldwing, à rester au top grâce à des choix technologiques qui, eux aussi, s'inscrivent dans la durée.